calme. Super joli. Merci beaucoup. Et au canon. Thank you.
pas les DVD. Moi, je vous ramène au moins les DVD. Il peut peut-être miser une main. Oh, pardon. Merci, Jean Lassalle, c'est toujours vous la star du salon de l'agriculture ? La rockstar. La rockstar, pourquoi ? Ah, je n'en sais rien. Ça fait un moment que ça dure. Je viens tous les ans et j'ai eu à peu près toujours le même accueil. Mais ça n'a pas toujours été le cas non plus quand j'étais plus jeune. Tu sais, c'est un retourne. Ça dépend de l'actualité qu'on peut avoir. Justement, cette actualité est particulièrement compliquée en ce moment. Les agriculteurs sont dans une colère noire. Est-ce que vous avez eu le temps de partager aujourd'hui les problématiques des agriculteurs? Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Et quelle est votre analyse sur la situation actuelle? Oui, nous en avons parlé, mais comment on dirait? Aujourd'hui, c'est un peu relâche. Parce qu'il y a eu une grosse tension pour l'ouverture, et où c'est monté très haut. Et puis là, aujourd'hui, c'est un peu relâche, mais ça ne change pas. Les problèmes des agriculteurs, c'est celui de l'ensemble des Français. Sauf que c'est plus accentué parce qu'il y a un patrimoine en jeu, il y a une propriété, il y a des terres, il y a des bêtes, il y a des animaux. Il y a aussi des familles peut-être plus anciennes. Il y a tout le territoire, il y a des hôpitaux qui ont fermé. Il y a, les écoles qui continuent à fermer. Donc, c'est un ensemble. Et la colère des agriculteurs, c'est la colère de ceux qui, au fond, se sentent oubliés. Qu'avez-vous pensé justement de cette explosion de colère samedi? Vous avez vu, je suppose, les images de ces agriculteurs qui poussaient les forces de l'ordre pour aller vers une rencontre forcée vers Emmanuel Macron, qui a eu lieu finalement avec une petite délégation. Il y a eu des incidents toute la journée. Comment vous avez vécu ça? Ça m'a fait penser à ce merveilleux roman de Montherlant, La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et finalement, elle eut lieu un jour. Si, et elle aura lieu si on ne sait pas suffisamment tenir les leçons des avertissements. La nature envoie souvent des avertissements. Un avertissement souvent ? C'est un gros avertissement. Les paysans, les hommes de la nature, les bergers et les marins le savent. Tu es sur une mer d'huile, où tu marches en haute montagne avec ton troupeau. Tout d'un coup, tu as un petit frisson sur la dorsale. Et ça veut dire qu'il faut changer de chemin. Pourquoi ? Parce que le temps change. Et il y a un signal. Si tu n'as pas fait... Le petit pêcheur sur la mer d'huile, 35 minutes après, il est emporté dans sa petite embarcation. Et le berger est fracassé sur sa montagne. Moi, j'ai vu 350 brebis étalées par la foudre. Après que j'ai été propulsé, alors que la brume était soudainement tombée, j'avais entendu, tu sais, comme disaient les alpinistes, le chant des abeilles. Les abeilles. Et voilà. Voilà, donc il y a des signaux, et il y a des signaux qui sont envoyés aussi par des êtres humains qui ne supportent plus le contexte d'incapacité à changer le cours de leur vie ou tout simplement à en retrouver une qui leur ressemble. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement a saisi et prend le bon sens justement pour aller vers ce que les agriculteurs demandent? Aujourd'hui, rappelons-le, les agriculteurs en majorité travaillent à perte. Ils sont confrontés à des exportations très difficiles de produits qui ne sont pas même normes. Est-ce que le gouvernement a compris cela? Non. Ils disent que non. Non, absolument.
Absolument pas. Et aucun gouvernement ne peut le comprendre. Moi, j'ai un projet assez simple. Et je me permets en deux mots de vous le dire. Parce que ça ne sert à rien de critiquer les autres, je ne propose pas. Il faut réinjecter de l'argent d'abord massivement dans nos campagnes. Et moi j'ai un projet, campagne de France, grande cause nationale, que je ferai partager par le 16e arrondissement et le 7e et toute la France. Pourquoi ? Parce que d'abord il faut reconstruire un État. Il n'y en a plus. Ensuite, il faut reconstruire l'organisation territoriale. Les maires sont très seuls, les communautés de communes immenses, et on est de plus en plus loin du citoyen. Donc, à partir de ce moment-là, quand on aura remis tout ça en place, je mets 40 millions, 4 milliards par an sur la table. 2 milliards que je prends sur la dotation que je donne à l'Europe, que la France donne à l'Europe tous les ans, qui est entre 21 et 23 milliards. J'en prends deux, et j'en reprends deux à la PAC, qui vient déjà de notre contribution aussi. Et je la réinjecte sur Campagne de France pour reconstruire toute la filière santé, du moment où tu nais jusqu'à ton dernier soupir, toute la filière de l'apprentissage, de apprendre à lire, compter, écrire, comme le fit Luc Ferry, Jules Grévy et Jules Ferry. Et je reprends l'ensemble et je réapprends aussi que la transmission d'une propriété, c'est quelque chose qui doit être grand et beau, mais qu'on ne peut pas improviser, ça se prépare avec du temps. Donc c'est une mobilisation et si j'injecte cet argent, je mettrai aussi à disposition de celui du membre du couple, qu'il soit garçon ou fille, de celui qui ne s'occupe pas du troupeau, mais qui pourrait s'occuper des enfants, et qui est obligé, ou de la famille, et de tout ce qui fait une famille, mais qui ne peut pas aujourd'hui. Il est obligé de faire 500 km au risque de se rompre les os sur de mauvaises routes pour gagner 500 euros. Moi je mets un SMIC, 1100 euros sur la table, et je donne la possibilité ainsi à celle ou celui qui ne s'occupe pas ni du matériel, ni de troupeau, mais qui peut s'occuper de la famille et des enfants, eh bien, de recréer une cellule familiale. Parce qu'elle est menacée partout, la famille, mais elle est encore plus, je dirais, menacée et plus nécessaire dans les lieux où on ne peut pas être tout seul. Voilà, donc c'est des idées simples. Je remets de l'argent, et si sur la durée d'un mandat, 5 ans, je mets 4 milliards tous les ans, croyez-moi, ça va se voir. Dernière question, dans votre région, quel est l'état de la filière agricole? Est-ce que comme dans certaines régions, beaucoup d'entreprises agricoles ferment et ne sont pas reprises, certaines régions c'est une sur deux, est-ce que vous constatez la même chose dans votre région et dans votre département, Jean Lassalle? Globalement, chez nous, on est un petit peu encore épargné. Nous avons encore un tout petit sursis, mais bien qu'il y ait des zones... Moi, je connais des zones entières où il n'y a plus personne. Hein. Il n'y a plus aucun paysan depuis 10 ans. Hein. Mais si on n'y prend pas garde, ça va aller très vite. Parce que j'étais au manif agricole, là, il y a un mois et demi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait très peu de monde, finalement, par rapport aux grandes manifs. Ça veut dire que le monde agricole a beaucoup baissé. Et regarde les statistiques, avec ce qui va disparaître, il y a les deux tiers des exploitations qui ne seront pas reprises dans les même pas 10 ans qui viennent. Donc il ne restera plus rien. Donc je crois qu'il est tout juste temps d'en prendre conscience et de réagir. Nous avons été bons chaque fois que nous avons anticipé. Mais là, nous n'anticipons pas du tout. Nous sommes trop enferrés dans des problèmes que nous avons fait naître il y a 40 ou 50 ans. Et donc nous ne sortons pas aujourd'hui. Et il faut certainement aussi revoir notre participation à l'Union européenne, qui ne peut pas être à n'importe quel prix. Et en disant cela, je n'estime pas être un dangereux complotiste ou je ne sais quoi, mais il faut reprendre du sens. La France était un des plus grands pays agricoles d'Europe et du monde. Et ce n'est pas possible qu'en quelques années, nous importions 65% de nos fruits et légumes et de notre viande. Parce que le système économique gagne plus en important des produits conçus, fabriqués, élevés en Amérique du Sud ou dans des pays qui ont moins de normes que les nôtres qu'en achetant en France.
C'est une réalité. Vous avez vu cette histoire du bœuf élevé en Belgique, tué en Australie, emballé, je ne sais pas où, en Nouvelle-Zélande, et qui revient être en Europe. C'est une folie. C'est une folie économique, c'est une folie écologique. Non, pardon, pas économique. Parce que si c'est fait, c'est que certains doivent gagner de l'argent. Mais ça vous interpelle quelque part, je suppose. Oui, et c'est pas nouveau. Mais moi, je suis disponible pour conduire une autre politique. Et je l'ai dit. Et je le redis lors des dernières présidentielles. Malheureusement, j'ai fait 4 heures de télé pendant que Mélenchon en faisait 230 et que d'autres en faisaient 200. Ça aussi, c'est un problème. Il faut réussir à se faire entendre. Mais c'est possible de le faire. Moi, j'assume cette responsabilité-là. Je connais bien ce vieux pays, perclus de souffrance, mais aussi d'enthousiasme et d'espérance. Avec la jeunesse qu'il y a, exceptionnelle, regardez cette jeunesse. C'est une jeunesse qui n'a pas envie d'abdiquer ni de mourir. Il faut simplement lui donner son second souffle. Merci beaucoup. Tu viens de moi ? Mais oui. Jean, les Corréziens veulent faire une photo avec toi. Une photo avec une petite amie. Elle est belle. Approchez-vous là, on va faire une photo avec Jean. Mathilde, Philippe. Le lycée du Pas-de-Calais. Ah, okay. Moi c'est Occitanie. Mais je suis d'Alsace aussi. De toute façon, c'est la France, hein, on a plus même chose. C'est de nous prendre en photo. Ça va? Merci beaucoup, monsieur Vincent. Nous prenons en photo avec lui. Bien si tu veux, Alsacien, toujours. Ah, faut que tu passes une photo. Ouais, voilà. Super, vous me regardez, nickel. Merci beaucoup. Merci. Mais viens, Seigneur, viens. Donne ton appareil. Donne au garçon là. Merci. Bonjour, ça va bien ? Oui. On peut faire une petite photo ? Bonjour. Alors, où sont mes amis ? Les Paul ? Oui. C'est l'heure qu'il l'a. Je viens. Ah, je vais lui expliquer la vérité, mon député. Bon, alors, on va voir le Coran. Alors, voici le Coran. C'est la salle, on peut faire un selfie ? Passer là-dessous. Oui. Il est où ? Bon, d'accord, souvenez, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. On est des Vendéens. Les Vendéens. Bonjour. Rentre à chou. Rentre à chou. Monique, une petite photo. Allez, c'est qui ? Allez, il est content. Bon. T'as pas eu ta photo avec une vache ? Là-bas. Mais tu vois Corse, toi ? Oui, derrière. Ils sont sur le côté. Non, c'est le pays, c'est ça. Derrière. Et là, c'est le pays. Ils sont cachés. Ah, les champs. On les entend. Comment ça va, mes petits amis? Pas mal. C'est les Pyrénées, mais... Bonsoir, ça va? Plus à l'entourage des Bonjour, viens monter, viens.